Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, malgré le confinement qui devient certes un petit peu long. J'espère également que vous jouez le jeu, que vous arrivez à rester chez vous et à bouger chez vous. Je vous rappelle qu'il est primordial d'avoir au minimum 30 minutes d'activité physique journalière. C'est important, sincèrement, faites-le, ne serait-ce que pour vous, pour avoir une bonne forme physique. Notamment si jamais on devait reprendre, je ne compte pas récupérer des locs, je compte récupérer des élèves en bonne condition physique. On se retrouve donc aujourd'hui pour la séance de renforcement numéro 6. Même principe que d'habitude, je préfère le rappeler au cas où vous découvririez ces séances. Circuit training, 6 exercices différents, 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup, une pause d'une minute entre chaque tour, 4 tours à réaliser. Pour chaque exercice, 3 niveaux différents, débutant, confirmé et expert. Passons sans plus tarder à la présentation des 6 exercices de la séance du jour. Bien, exercice numéro 1, les coups de genou. Je viens chercher quelque chose au-dessus de ma tête que je ramène sur mon genou. Je monte le genou en direction de la poitrine et j'abaisse les mains qui viennent au contact du genou. En accéléré, ça donne ça. Je fais donc un petit sursaut pour pouvoir enchaîner, mettre du rythme et faire monter le cardio. Exercice numéro 2 et 3, les fentes arrière. Pour les fentes arrière, je pars d'une position droite, debout, pied parallèle et j'amène un pied vers l'arrière. Relativement loin, j'abaisse la jambe jusqu'à ce que le genou vienne frôler le sol. Je repousse sur ma jambe et je reviens en position initiale. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'utilise le bras pour me stabiliser. Ici, jambe gauche, bras gauche, pour être équilibré. Je repousse, je garde le dos bien droit et les hanches vers l'avant. Ici, en rapide, ça donne... Exercice numéro 4, les cercles de bras. Ce que j'appelle les cercles de bras, ça va être ici bras tendus. Je dessine des cercles avec les mains en gardant les bras tendus. On va chauffer dans les épaules. L'idée, c'est de faire des cercles ni trop petits ni trop grands et de mettre un petit peu de rythme. D'accord ? On maintient une position plutôt haute, éviter un affaissement. D'accord ? Je maintiens les bras à hauteur et je dessine des cercles avec les mains, bras tendus. Et là, vous allez sentir le travail dans les épaules. Exercice numéro 5, les ciseaux de jambes. Un exercice pour travailler les abdos. Donc, on passe au sol, sur les coudes. Donc, coude en dessous des épaules. Je suis en position quasi allongée, position de plage, on peut le dire. Et donc, je lève les jambes et je vais faire des ciseaux de jambes verticaux. D'accord ? On peut également les faire éventuellement horizontaux. À vous de voir, les deux sont acceptables. Si vraiment cet exercice était trop dur, on ramène, on tend. On ramène, on tend. Quoi qu'il en soit, je garde les jambes tendues et j'accélère pour les battements de jambes. Sixième et dernier exercice, les squat jump. Un exercice qui va solliciter les cuisses, donc beaucoup d'énergie, et en plus, un petit peu de cardio vu qu'on saute. Donc on va mettre de l'intensité, de la vitesse pour l'exercice. Pied écarté au minimum de la largeur des épaules, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, le dos bien droit, cage thoracique bien ouverte, bras à l'avant, regard au loin, je descends, je fléchis comme sur un squat normal, je garde bien les talons collés au sol, fesses en arrière, et au moment de remonter, je pousse dans les jambes et je saute. D'accord ? Vous avez vu l'enchaînement ? Je saute et j'amortis la descente sur un autre squat. Donc ça, si je veux vous présenter l'enchaînement, ça donne ça, squat, jump, squat, jump. Gardez bien les talons au sol, le dos bien droit. Évitez de décoller les talons, d'être trop penché en avant ou d'arrondir le dos. D'accord ? Le profil, ça donnerait ça. Pieds bien écartés, toujours jamais de genoux en dedans. Toujours les genoux vers l'extérieur. Je descends les fesses en arrière comme si je venais m'asseoir sur un tabouret. Bras à l'avant pour être équilibré. Squat, jump. Squat, jump. Bien, maintenant que nous avons vu l'ensemble des 6 exercices. Je vais vous présenter les 3 niveaux différents sur chacun de ces derniers, à savoir les coups de genoux, exercice numéro 1. Pour le niveau débutant, 25 répétitions, niveau confirmé 35, niveau expert 45 répétitions. Pour les exercices 2 et 3, qui sont les fentes arrière, un coup d'un côté, un coup de l'autre, on fera 10 répétitions pour les débutants, 15 pour les confirmés et 20 pour les experts. L'exercice numéro 4, rappelez-vous, les cercles de bras. Cet exercice-là, je préfère ne pas donner le nombre de répétitions effectuées,
Simplement, faites-en le maximum en effectuant proprement le mouvement. Pour l'exercice numéro 5, au sol, pour les abdos, les ciseaux de jambes, vous allez battre des jambes relativement vite, ce qui donne 55 répétitions pour les débutants, 65 pour les confirmés et 75 pour les experts. Et enfin, dernier exercice, les squat jumps. 15 reps pour les débutants, 20 pour les confirmés et 25 pour les experts. Nous allons donc pouvoir débuter les échauffements. Avant ça, je vous rappelle qu'il est indispensable de mettre de la musique pour un aspect motivationnel. Donc trouvez la bonne playlist, adaptée, pas de gros mots, pas de vulgarité bien sûr. Quelque chose qui vous donne envie de bouger, qui va vous motiver, qui va vous permettre de tenir sur les 4 tours à venir. Comme d'habitude, petit échauffement avec une mobilisation articulaire et cardiovasculaire. On démarre sur les chevilles, un balancé d'avant vers l'arrière. On essaie de passer une dizaine de secondes par articulation. Pointe de pied au sol, je dessine des cercles. Côté. Ok, on y va pour les genoux, on fléchit et on slalom, droite-gauche, devant-derrière, on écarte, on resserre. Ok, pied écarté, main sur les hanches, on bouge le bassin dans un sens puis dans l'autre. Ok, main sur les épaules. Je dessine des cercles avec les coudes. Je vous rappelle que l'échauffement est la partie indispensable pour se préparer à l'effort et limiter les risques de blessures. On fait monter un petit peu la température, on répartit les liquides synoviaux dans les articulations afin qu'on puisse bien les mobiliser. Les coudes, paume de main vers l'extérieur. Un coup dessus, un coup dessous. L'autre côté. Ok. On enroule les épaules. Ok. Les poignets. On prend son poignet dans la main et on le sollicite en faisant jouer un petit peu dans toutes les directions. De l'autre côté. Ok. On relâche tout. On laisse aller la tête devant, derrière. On réchauffe un petit peu la nuque. On y va mollo. Ok, gauche-droite. Et enfin dans tous les sens. Toutes les directions. Pardon. Bien. On va faire quelques pas de l'ours. On recule les pieds. On descend, jambes tendues. On déroule. Bien, on va enchaîner avec quelques pas de l'ours. Jambes tendues, on fléchit, on essaie de conserver les jambes tendues, on vient dérouler au sol jusqu'à une position de gainage bras tendus, qu'on maintient une seconde ou deux, et on rembobine. On fait ça 4 fois. On se redresse complètement, on maintient la position de gainage. Je vous rappelle que dans la position de gainage, épaules, bassin et chevilles sont alignées. Je contracte donc les abdos et les fessiers. Bien. Maintenant qu'on a fait ceci, on passe un petit peu plus sur le cardio. Avec une série de montées de genoux. 25 montées de genoux, suivies après de 25 jumping jack. Dos droit, bras opposés pour s'équilibrer et on y va. Ok, quand vous avez fait vos 25, montez de genoux. Mains sur les cuisses, on
on vient claquer au-dessus de la tête en même temps qu'on écarte les pieds pour les jumping jacks. C'est parti pour 25. Ok, si vous êtes tous prêts, je lance le chrono, on débute la séance. 30 secondes d'effort, 20 secondes de récup, 6 exos, 4 tours, une pause d'une minute entre chaque tour. Exercice 1, coup de genou, exercice 2 et 3, fente arrière, exercice 4, cercle de bras, exercice 5, ciseaux de jambes, exercice 6, squat jump. On s'accroche du début jusqu'à la fin, on lâche pas en plein milieu. On y va, 3, 2, 1. Et c'est parti pour les coups de genou. 25 pour les débutants, 35 pour les confirmés et 45 pour les experts. Alors, du rythme, de l'intensité. Dos droit, genou haut. Petit sursaut pour accélérer. Ok, on souffle, 20 secondes de pause et on se prépare à enchaîner les fentes. Fais attention de ne pas claquer le genou au sol, on est en contrôle, on choisit un côté, on fera l'autre sur le troisième exo. Go. 10 pour les débutants, 15 pour les confirmés et 20 pour les experts. On met donc du rythme, on garde le dos bien droit, on s'équilibre avec le bras, les bras même, et on enchaîne proprement. Ok, 20 secondes de récup, et on va passer à l'autre jambe. Au plus vous en faites, au plus vous mettez du riz et au plus le cardio travaille. 3, 2, 1. Et c'est parti pour l'autre côté. Ok, 20 secondes, on souffle, et on va enchaîner avec les cercles de bras. Cercle de bras, je vous rappelle que vous en faites un maximum, bras tenus tendus, 3, 2, 1, et on y va. Ouais, des cercles, ni trop grands, ni trop petits, bras bien tendus. Au minimum à hauteur des épaules. Profitez-en pour récupérer. C'est un petit peu moins cardio, un peu plus musculaire. Soufflez, inspirez à fond. Allez, un maximum de tours. Ok, on relâche. 20 secondes. Et on vient se placer au sol pour les 6 autres jambes. On va faire chauffer un petit peu les abdos. Position plage sur les coudes. 3, 2, 1. Et c'est parti. 55 débutants, 65 confirmés et 75 experts. Je vous rappelle que si c'est trop dur, vous pliez et vous tendez. Ça vous permet de faire des petites pauses entre guillemets. Là, pas de pause, on garde les jambes bien tendues si on est en expert ou en confirmé. Ok, on relâche. Et on va terminer le premier tour avec l'exercice numéro 6, les squat jumps.
1, et c'est parti. 15, 20 ou 25 en fonction de votre niveau. Allez, vous enchaînez. Ok, pause, on a déjà terminé le premier tour, on souffle, on récupère, on va boire le coup, et on se prépare pour le deuxième tour tranquillement. Encore une séance. Tu vas piquer un peu les fessiers et les cuisses. Avec notamment les fentes et les squats. Allez, on récupère le mieux possible en inspirant profondément. Expirant de la même manière. 10 secondes. On se met en place pour les coups de genoux. Rapide. 25, 35, 45. 3, 2, 1, et on y va. Dos bien droit, genou haut. Petit sursaut pour enchaîner. 1, on y va. Ok. Exercice numéro 2, 3, fente arrière. 10, 15 ou 25 reps. Allez, fais ça proprement. 3, 2, 1, et c'est parti. Respirez normalement. Ok. Ça chauffe, ça pique. C'est normal. Numéro 3. L'autre côté. Et c'est parti. Ok, la seconde récup, cercle droit, allez, retendu, et je dessine des cercles, go. On récupère. On profite de cet exercice moins cardio. On s'applique sur les mouvements en forme de joli cercle. Plutôt haut. Ok. C'est bon, on souffle. On vient se préparer pour les 6 autres jambes. 55, 65, 75, en fonction de votre niveau, 3, 2, 1, et c'est parti, on repose plus les pieds, battement de jambes relativement rapide, dynamique,
On doit sentir, on doit contracter les abdos, serrer la ceinture abdominale. Allez, on s'accroche. Ok, relâche. 15 secondes. On se met en place pour le sixième et dernier exercice du second tour. Squat jump. 15, 20, 25. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez. Gardez bien les talons au sol lorsque vous descendez en squat. On tend les bras, on saute. On descend bien les fesses et on s'accroche parce que ça pique. Ok. Pause bien méritée. Allez, on fait la moitié. Plus que deux tours. Le plus dur est derrière nous. Respirez calmement, faites redescendre un peu le rythme cardiaque. Et on se met en place pour les coups de genoux. Tranquillement, encore 20 secondes. Alors, on se prépare mentalement pour le troisième tour. On commence à avoir un petit peu de... Le transpi, c'est que c'est bon, c'est que ça bosse. Allez, on y va. 3, 2, 1, et go. 25, 35, 45. Allez, du rythme, de l'intensité. Numéro 2 et 3, sans taille. Place. Allez, mouvement propre, on approche le genou au maximum du sol, sans le taper au sol. 3, 2, 1, et c'est parti. 10, 15 ou 20, en fonction du débutant confirmé ou expert. Allez, c'est le quart de le dos droit. D'avancer les hanches quand vous descendez. Hanches vers l'avant. Allez, on s'accroche, ça pique. Ok. L'autre côté. Ok. Au sol. Non, pardon, pas du tout. Numéro 4, cercle de bras. On en profite, on essaie de récupérer. 3, 2, 1, et c'est parti. Un maximum de tours. Réalisez le plus proprement possible. Thank you.
Ok, on relâche. Et là, on passe au sol. J'espère que chez vous, vous avez de bonne musique. Parce que là, sans musique, ça manque. Allez, en place. Coude sous les épaules. 3, 2, 1. Et on est parti. 6 autres jambes rapides. 55, 65 ou 75 reps. Sachant qu'on compte gauche, 1, droite, 2. Encore un battement, on fait 2. Allez, ça pique, ça brûle. On tient le coup. Ok. Relâche. Et on vient se mettre en place pour les squat jumps. Ça va piquer. Et on a bientôt fini le troisième. Tour. 3, 2, 1. Et go. 15, 20, 25. Allez, on saute haut. On pousse dans les jambes. On ramène les fesses relativement bas. Pieds ancrés au sol. Talons ancrés au sol. Bras à l'avant pour s'équilibrer. Dos droit. Regarde loin devant. Allez, ça pique, c'est normal. On tire, on tient. Ouf. Ok. Troisième tour terminé. Plus qu'un. On est pas mal. On commence à transpirer comme il faut. La seconde avant le quatrième et dernier tour. On est bon. On y est. On se prépare, on ne lâche pas. Allez, relève-toi. En place. Dernier tour. Et celui-ci, on le fait à fond. 3, 2, 1. Allez, go. Coup de genou. 25, 35 ou 45. Allez. Petit sursaut. On ne s'arrête pas. Pour les numéros 2 et 3, fente arrière, 3, 2, 1, et c'est parti. Ok. Allez, l'autre côté. 3, 2, 1. Et go. Allez, accroche-toi. Comme il faut, lâche pas, c'est dur et c'est normal, pour tout le monde c'est dur. Allez, ok, allez, on a les cercles de bras pour récupérer un peu au niveau du rythme cardiaque.
3, 2, 1, et c'est parti. Allez, maximum de cercles, bras tendus, un peu plus haut que les épaules. Numéro 5, on retourne à la mer, on vient s'allonger à la plage, coude sur les épaules, et au lieu de faire bronzette, on fait le battement. 6 autres jambes, 3, 2, 1, allez go, jambes bien tendues, et on fait un maximum de battements de jambes, allez, on regarde même pas, il n'y a pas de compteur, on y va, s'accroche, c'est la dernière fois que tu le fais. Fais-le comme il faut. Ok, relâche. Plus qu'un. Il n'y a pas de moindre. Les squats, jump. On le sait, il est dur, il pique. On se donne un fond, c'est le dernier. On a fini le quatrième tour après ça. Allez, 3, 2, 1, go, un max. Bien bas, bien haut, bien bas, bien haut. Allez, squat, jump. Allez, on s'arrache, ça pique. Mais on continue. Allez, t'arrêtes pas. Ok. Bien, wesh. Allez, petite minute où tu souffles. Et ensuite, on passe aux étirements. Allez, j'espère que chez toi tu as bien tenu, que tu as fait à ton niveau, adapté à ton niveau, et que tu as su terminer cette séance en faisant 4 tours complets. Bien, en place pour les étirements. C'est parallèle, on attrape les mains, on tire vers le haut jusqu'à la pointe des pieds. Et on étire. Allez, on tient la position. Relâche, jambes tendues si tu peux, tu viens au tibia, aux chevilles, aux pieds, au sol. Allez, relâche un max, souffle. Essaye de garder les jambes tendues et d'aller le plus bas possible et de maintenir. Allez, c'est important d'étirer. On saisit sa cheville, on vient plaquer le genou, on équilibre avec un bras, on se tient à une chaise, à un meuble, ce que vous voulez, à un partenaire si vous en avez à la maison. Et on colle le talon aux fesses et le genou au genou. Ok, l'autre jambe. Principe, j'attrape, je colle le talon.
je colle le genou, j'équilibre avec le bras libre. Ok, passe au sol. Je plaque le dessous du pied l'un contre l'autre. J'avance le buste, j'attrape les pointes de pied et j'essaie de redresser au maximum le dos. D'accord ? Je tiens et là, avec les coudes, je viens appuyer sur les cuisses ou les genoux pour abaisser en tout cas les genoux. Allez, je garde un peu le dos droit, pardon. Je tire la colonne. Ok, je relâche, je viens me mettre à genoux, pied droit par exemple, au sol devant, main gauche au sol devant, je viens tendre le bras opposé, je décolle la jambe arrière, donc là je suis en pied droit, main gauche devant, main droite vers le plafond, et jambes arrière tendues. Je inverse. Je passe à genoux. Pied gauche devant. Main droite à côté. J'ouvre. Et je tends la jambe. Je passe sur le dos. Je viens mettre par exemple mon pied droit sur mon genou gauche. Avec les mains, je viens saisir ce genou gauche en tirant, décollant le pied gauche du sol. Et je ramène l'ensemble vers moi en tirant sur mon genou. Ce qui a pour principe d'étirer ma fesse droite pour le coup. Ok, de l'autre côté. Ok, maintenant je sais, je tends les jambes, je saisis un genou que je viens ramener au maximum contre ma poitrine. Ouais, je le trappe, je le tire vers moi, je le tire, je le maintiens claqué à ma poitrine. Ok, l'autre côté. Ok, je bascule de l'autre côté, je ramène les fesses sur les talons et j'allonge les bras devant et je viens tirer le dos, les épaules en grappillant des centimètres du bout des doigts. Ok. Allez, on peut se redresser. Encore une fois, bravo à vous. Vous pouvez être fiers de vous si vous avez bien, si vous avez tenu. Alors, vous avez bien bossé. On partage, on commente, on me signale que ça a été fait. Et on like la vidéo. Bonne journée à vous. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.